Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans cette grande session d'information. Déjà à la une des actualités, la proposition de loi par Noël Tchiani sur la congolité sera déposée ce jeudi 8 juillet 2021 au bureau de l'Assemblée nationale. Une source proche affirme que le député national Nsingi Poululu, qui se charge ainsi cette loi visant à verrouiller la magistrature et quelques postes régaliens en ne réservant qu'aux Congolais nés de père et de mère. Cette grande édition d'information, nous en dirons plus. Encore une fois, mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé aux obsèques de l'ancienne députée Chika Wa Mulumba Eugénie le mercredi 7 juillet 2021 à l'hôpital du Cinquantenaire. Reportage de Christian Libengue. Suivez. La tante paternelle du président de la République démocratique du Congo, Eugénie Chika Wa Mulumba, a été enterrée le mercredi 7 juillet 2021 au cimetière Les Chemins du Paradis situé dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Plusieurs personnalités ont pris part aux obsèques, dont les couples présidentiels, le ministre, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, président de l'Assemblée nationale Christophe Mboso, le ministre, le député national et provinciaux, ainsi que les membres de la Fondation Denise Nyakeru. On note également la présence remarquable du secrétaire général Augustin Kabuya, appelé affectueusement Mwana Bouté. Prenant la parole, le numéro 2 du parti présidentiel salue la mémoire de l'illustre disparu. Je prends la parole du haut de cette tribune en ma qualité de secrétaire général de sa famille politique. Je pense que le chef de maison civile a tout dit. Moi, je peux que faire un petit témoignage par rapport à ce qu'a été Tantine Eugénie Chika. Tantine Eugénie Chika a marqué tout membre de l'IDPS par rapport à son comportement. C'est une maman que tout membre de l'IDPS plaire, regrette même de sa disparition. N'eût été le renforcement des mesures de sécurité, l'espace de l'hôpital Cinquantenaire sera envahi par les militants et les militantes de l'IDPS. Puis tout le monde voulait plaire Tantine Eugénie. C'est une maman qui était très engagée, d'abord pour l'unité de l'IDPS et le bon fonctionnement de notre parti. À son tour, le président de la Ligue des jeunes de l'UDP se rend sans témoignage. Et Mama Chika a intervenu pour mon cas personnel. Il m'a facilité la tâche parce que l'accès m'était vraiment interdit pour aller voir les soins de l'humanité à l'époque. Elle a pesé de son poids comme maman. Elle a écouté mon problème. Elle a vu que j'étais innocente. Elle m'a pris une soirée. Elle m'a appelé pour me dire que national, à l'époque j'étais secrétaire national en charge de l'implantation de la Ligue des Jeunes. Elle m'a cherché, elle m'a appelé à plusieurs reprises pour me prendre de sa main jusqu'à m'amener auprès du président du parti à l'époque, le Sphinx Étienne Tshisekedi, le Grand Esprit. Et j'ai fait valoir mon problème et ça a été décanté. J'avais trouvé solution et regagné mes droits. Donc, Née en 1947, Eugénie Chika Wa Mulumba quitte la terre des hommes à l'âge de 74 ans. Comme je le disais, Noël Tchiani signe et persiste sa proposition de loi, passe à la vitesse supérieure. Pour ce faire, le député national Nsingi Poululu prend les choses en main. Il est au micro de Béar Kabéa. Suivez. La proposition de loi sur la congolité initiée par Noël Tchiani a franchi une étape importante ce jeudi 8 juillet 2021. Elle a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale par le député Nsingi Poululu. Si cette proposition de loi est adoptée par les deux chambres et promulguée par les chefs de l'État, la fonction du président de la République et d'autres postes de souveraineté seront exclusivement réservés aux Congolais de père et de mère. La nationalité congolaise est irrévocable. Tu es né congolais, tu grandis congolais, tu mourras congolais, on va t'enterrer congolais. Nous n'inventons rien face aux réalités vécues, vivantes actuellement. Nous vous disons que la République démocratique du Congo est un pays ouvert à tout le monde. Mais seulement, pour être président de la République, il faut être né des pères et des mères congolais. Déjà dans les couloirs du Palais du Peuple, plus de la moitié des députés soutiennent cette proposition de loi qui vient renforcer davantage la souveraineté de la République démocratique du Congo.
Dans toutes les rues de Kinshasa, les Congolais soutiennent et félicitent les candidats malheureux à la présidentielle de 2018, Noël Tiani, pour son courage. Si les élections auront lieu aujourd'hui, personne ne peut battre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, propos du patriarche Kyongwa Kumwanza, soutenu par le PDG de Yokason Katinde Tumba Delpha. Les détails dans cet élément de Christian Libengue, rendu par Merveille Ngaloula. Suivez. Après succès historique réalisé par le secrétaire général du parti présidentiel, Augustin Kabuya, appelé affectueusement Mwana Buta dans le cadre de la redynamisation de son parti au Congo central, Kwango et Kwilu, ainsi que l'accueil chaleureux réservé aux chefs de l'État dans les Katanga, Lualaba et état de siège décrété en Ituri et Nord Kivu, les avancées des RFARDC et la mise en effectivité de l'état des droits en République démocratique du Congo rassurent les patriarches Kyongwa Kumwanza pour la réélection du président Félix Tshisekedi en 2023. Selon le président de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC en sigle, si les élections de 2023 auront lieu aujourd'hui, personne ne peut battre Félix-Antoine Tshisekedi. Point de vue que soutient totalement l'ambassadeur du parlementaire des Bouts de l'UDPS à travers le monde et PDG de Yokason Télévision. Nous parlons chaque fois des élections. De 2023, on n'a pas fait des élections. En tout cas, nous soutenons cette idée de Kyongwa Kumwanza. Puisque si aujourd'hui, les élections, qui peut battre Félix Tshisekedi? Nous, on a déjà notre agenda de présenter au peuple congolais, entre autres, gratitude et l'enseignement. Il y a des bilans que nous pouvons présenter à 2023, puisque vous voyez aujourd'hui avec l'état de siège, personne n'en parle. Au moins, nous soutenons cette idée, vraiment, c'est une idée géniale. Et nous sommes derrière, puisque lui, il fit les cofondateurs de l'UDPS. Il est là derrière Félix Tshisekedi. Une bonne déclaration et nous le soutenons. Selon Delphine Katende Tumba, Fatshi est le meilleur diplomate au monde. À l'EPST, atelier sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement, un pas pour poser les bases d'une gratuité réussite et garantie. Tel fut l'objet de la cérémonie organisée par le ministère de l'EPST du jeudi 8 au vendredi 9 juillet 2021. Suivez les amples détails dans ce commentaire de Alexandre Antona. L'atelier sur le financement innovant la gratuité de l'enseignement a débuté ce jeudi 8 juillet 2021 au fleuve Congo Hôtel et prendra fin le 9 juillet 2021, une cérémonie organisée par le ministère de l'EPST. En effet, ces assises de 2 jours dans l'ego a été donnée par le ministre d'État à la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, représentant le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, a levé les options sur les nouvelles sources de financement à explorer en vue de répondre aux besoins légions et immenses que charrie la gratuité de l'enseignement. L'occasion vous est donnée de réfléchir sur le financement innovant de cette gratuité de l'enseignement de base et ainsi concourir à la concrétisation de cet idéal qui est au cœur du programme du gouvernement de la République. Il vous appartient donc de pondre à travers vos analyses et vos travaux, des scénarios qui vont permettre au gouvernement d'avancer dans ces processus importants et de faire en sorte que la réussite soit au rendez-vous. Le ministre Tony Mwaba Kazadi, à son tour, plaide pour un investissement massif dans son sous-secteur. Comment redresser ce sous-système en améliorant les conditions ou les traitements des enseignants, en construisant les nouvelles classes, en consolidant la gratuité sans moyens adéquats. D'où la nécessité impérieuse d'organiser ces jours un atelier ayant pour objectif d'analyser et faire une réflexion profonde sur le financement innovant de la gratuité de l'enseignement primaire. Ainsi, puisque l'éducation a un coût, les besoins sont donc légion et immenses.
C'est pourquoi nous devons diversifier aussi les sources de financement, de même que les méthodes et techniques pour les mobiliser et en augmenter le volume, en réponse aux besoins pressants du secteur. Parlons à présent d'Augustin Matata Pogno au centre d'actualité après avoir été libéré officiellement par le bureau du Sénat. Un récit d'Obed Waba. Après l'autorisation de lever des immunités de l'honorable Augustin Matata Pogno, plusieurs réactions de soutenance à la justice dominent l'actualité. Le fait, c'est pour M. Matata Pogno, il est reproché du fait qu'il avait pris le frais destiné à indemniser les gens pour la organisation de 73. Alors, le fait pour la JT faire son travail, c'est pas mauvais parce que nous voulons qu'il y ait une bonne justice. Mais le fait pour le Sénat d'autoriser d'élever l'immunité de Matata Pogno et de livrer à la justice, nous devons encourager. C'est là prouve à suffisance que notre justice a fait un pas d'avant. Et voilà pourquoi nous encourageons. On ne peut pas seulement se limiter à entendre M. Matata Pogno et à les jugeant, mais aussi à récupérer tous ceux qu'ils ont pu détourner, ceux qu'ils ont pu voler. Parce que le peuple a vraiment besoin de la justice, une justice distributive. Et avec cette justice, ce qu'on vient déjà de faire, c'est vraiment une avancée pour notre pays. Levé le 5 juillet 2021 par les bureaux du Sénat à travers son président Modeste Bahati Lukwebo, l'ancien Premier ministre sera visé par la justice congolaise suite au détournement des derniers publics de l'État. Il essaie de noter que cette demande d'autorisation a été lancée par le procureur général près à la Cour constitutionnelle d'avoir laissé le feu vert à Augustin Matata Pogno, Mapon, après les enquêtes initiées par l'inspection générale des finances, IGF en cycle. Paix et réconciliation véritable des Ituriens Thomas Lubanga et Sami Adubango Aoto, très impliqués pour la réussite de l'état de siège en vigueur dans la province de l'Ituri. Commentaire de Christian Libengui nous en dit plus. La paix, rien que la paix, une paix effective et durable est associée à la réconciliation véritable entre filles et fils de la province de l'Ituri, appelés à parler le même langage pour l'intérêt général. Le notable Iturien Thomas Lubango Dilo a été reçu en audience par le vice-ministre des Affaires étrangères, Sami Adubango Aoto, en sa double qualité de digne fils de l'Ituri et des représentants de cette province du pays au sein du gouvernement des Warriors en place. Les deux notables ont ensemble aborder la question de leur contribution sous diverses formes à la réussite de l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui, peut-être pour le préciser, le vice-ministre des Affaires étrangères, tout en étant un homme d'État, il reste le fils de l'Ituri. Et partant, les problèmes de l'Ituri doivent le tenir en cœur. Nous avons fait avec lui ce constat que l'Ituri n'a jamais éprouvé à aucun moment de la manière aussi tragique le besoin de la paix et de la sécurité. Nous y avons pensé, il y a plusieurs schémas, il y a plusieurs stratégies, mais une stratégie qui monte des fils et filles même de l'Ituri en termes de task force pour la pacification et pour la réconciliation de l'Ituri. Voilà un peu le point sur lequel nous voulons nous focaliser, sur lequel je vais laisser se focaliser et sur lequel nous irons travailler avec d'autres personnes, donner un contenu qui pourra faire que ensemble nous puissions aller vers un Ituri véritablement pacifié et avec des peuples, avec les peuples véritablement réconciliés. Thomas Lubango Dilo et Sami Adubango Aoto restant très préoccupés par la question du retour effectif de la paix durable en Ituri et par ricochet de la réconciliation véritable entre les filles et fils de l'Ituri. La crise qui sévit au Kasaï oriental, elle est profonde et datée de longtemps. Que peut-on faire pour l'atténuer? Ainsi, l'ancien gouverneur Benoît Kamwanga Bitanda tente de répondre. Il est au micro de Béar Kabéa. Suivez. Moi, je pense que ce n'est pas en donnant de l'argent aux gens, ce n'est pas en distribuant des vivres aux gens qu'on va mettre fin à la crise. Il faut créer des emplois. Lutter contre le chômage des jeunes. Lorsqu'on va faire des recettes, on s'organise.
On produit des biens, on commercialise cela et on met la jeunesse dans le travail de reconstruction de la province, de l'ancienne province du Kassai-Oriental, le Grand Kassai et puis les autres provinces. C'est en ce moment-là que la crise chez nous va commencer à diminuer. Nous devons produire l'agriculture. Il y a des terrains, il y a des forêts qui chôment chez nous, il y a des rivières. Le Sankourou, la Loubi-Langi, le Loubi, partout là, l'Omami. Donc commençons par concevoir, après organisons-nous et mettons la jeunesse à l'œuvre. Le peu que nous avons, nous utilisons, nous investissons. Et si ça ne va pas, nous crions auprès des autorités qui dirigent le pays. Venez à notre aide. Mais qu'ils viennent voir ce que nous avons conçu d'abord. Voilà ma manière de voir les choses. Finissons-en avec le sport pour sa première fois de participer à la finale de l'Euro 2021. L'Angleterre prend son billet vers Londres après avoir éliminé le Danemark à la soirée du 7 juillet 2021, le mercredi, au Bedloaba, au commentaire. Enfin, l'Angleterre officialise son ticket vers la finale qui aura lieu le dimanche 11 juillet 2021 à Londres après une prestation de la soirée entre le Danemark au stade de Wembley où les rendez-vous étaient respectés. Cette confrontation a convoqué des milliers de supporters. Harry Kane qui a offert à sa nation le feu vert à 104 minutes de prestation de prolongation. L'attaquant de Tottenham très positif à la pelouse de Wembley le 7 juillet 2021, une histoire à ne pas ignorer dans la scène sportive. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. On se revoit à la prochaine édition à la même heure. Restez branchés sur nos antennes de Yokasson Télévision.